Je vous présente quelques-uns des nombreux acteurs de la nouvelle comédie musicale événement Noé, la force de vivre. Bonjour, bonjour Essaï Altounian, alias Noé. Vous êtes le concepteur et le chanteur principal de la comédie musicale Noé, la force de vivre. Alors comment avez-vous confectionné ces costumes plus vrais que nature ? Ils sont incroyables. C'est 3 ans de conception, de réflexion. Voilà, on ne pouvait pas faire l'Arche de Noé sans faire des animaux. Et on a eu envie de faire des animaux plus vrais que nature. C'est comme vous le disiez, on a une connexion incroyable avec les animaux. Et c'est vrai que lorsqu'ils débarquent sur scène, il y a une émotion avec le public et un contact qui se passe qui est une vraie émotion. C'est incroyable. Mais ils clignent des yeux et tout. Incroyable. Comment vous les avez conçus? Alors c'est bourré de technologie, enfin de mécanique, d'électronique. On a fait le tour de tous les grands ateliers de marionnettistes à travers le monde. Et personne ne faisait ça. Donc, on s'est amusé avec des bouts de bois, des bouts de conserve, des vis, à essayer de recréer le mouvement pour avoir la fluidité. Parce que l'esthétisme, on sait faire. La fluidité, c'est un peu plus compliqué. Et c'est en France, finalement, que j'ai trouvé des ateliers français. Carole Allemand, Sébastien Pouech, qui m'ont pris un peu pour un fou avec mes croquis, mais qui m'ont dit, on va essayer de le faire. Et puis le premier, ça a été Tinka, notre ours polaire. Et puis on s'est rendu compte que ça fonctionnait vraiment. Ouais. Et puis on en a décliné plein d'autres. Et puis d'où le fait d'en avoir une dizaine sur scène. Et je ne peux pas tout vous dévoiler, parce que ça serait dévoiler la magie. Mais voilà, on est assez fiers de se dire que ça fonctionne vraiment. Et donc, une lumière qui vient éclairer quand tu ne sais plus qui tu es. C'est la force de vivre qui te ramène à toi. Ferme les yeux et respire. Je ferme les yeux. Je respire. Bravo, bravo. Ah, c'est beau, hein. Bravo, bravo. Merci à la troupe de Noé, la force de vivre. Vous êtes en représentation à partir du 21 janvier 2023 au Palais des Congrès de Paris et vous pouvez déjà découvrir l'album de la comédie musicale. Moi, je peux vous dire que je prends mes billets avec mes deux petits garçons. Merci à vous tous de nous avoir suivis ce matin dans Bel et Bien.